T'as tout à l'heure la conversation. Attends, je voulais la conversation avec la meuf de la boulangerie. Mais fais gaffe de pas. De... Non, c'est une dinguerie, je vais pas faire ça. Oh, elle est mignonne, hein. Comment ça, elle ressemble à. C'est la caissière. Oh, elle est mignonne. Dans The Walking Dead. C'est la caissière. Michonne, on dirait Michonne dans The Walking Dead. Non, non. Attends, oh. Elle est mignonne, non. Qu'est-ce qu'on parle, JP? Elle te plaît? Non. J'ai fait l'erreur. Je lui ai tendu la perche, il a sauté dessus. Donc vous pouvez rajouter ça sur les avis. J'espère qu'il y aura des clips. Attends. Il dit que la caissière est moche. Voilà, bon, c'est cadeau, hein. T'as oublié, c'est la boulangerie d'en face. Vous faites des dons, moi, c'est cadeau. Attends. Je prends l'appareil, c'est, voilà, quoi, c'est des échanges. Ok, attendez, je lui ai dit, salut, tu peux me... Parce que lui, il arrive, il me dit, fais une story identifiée. J'ai pas l'Instagram. Donc moi, je lui dis... salut, tu peux me donner le compte Instagram de la boulangerie, s'il te plaît, point d'interrogation. Au goût de luxe. Sur Facebook. Sur Facebook. Déjà, ça commence mal. Et là, j'ai dit. Et là, j'avais plus répondu parce que c'était carrément what the fuck. Mais là, j'ai répondu, j'ai dit c'est bon, j'ai fait ma pub, merci à vous. À l'instant, quand elle va voir. Voilà, au moins, ils comprennent. Parce que là, frérot, là, dans l'état là actuel, ils arrivent. Ils voient ça, frère, des galettes. Très bonnes galettes au rôti de clope. Les gars, vous êtes trop chauds. Wow, très bon accueil, mais le closer. C'est vrai, ils ont mis 5 étoiles, remercie-les. 5 étoiles alors, remercie-les. T'as pas compris? Le plus important. Oh, ils avaient même pas 4 étoiles tout à l'heure. Là, ils sont pas 5 étoiles. Là, c'était à 4,0, ils sont à 4,3. Ouais. Oh les gars, on va chercher les 5 étoiles, allez-y. Bonjour, je mets un 5 car je suis assez gentil, assez déçu de ce que j'ai pu entendre dans la boulangerie. Apparemment, un homme qui se prénomme Rouek est entré en courant dans la boulangerie pour arracher le bout de galette avec ses 4 dents qui lui reste. Au passage, a pris le chien d'une autre cliente car il a eu le réflexe de voir le. Waouh. Et toi, ça te fait rire, Kiz? Je rigole pas, je pleure intérieurement. je pleure intérieurement, personne ne sait. Attends, ils mettent des 5 étoiles, c'est le plus important. Incroyable. Elle est bien référencée. T'inquiète pas. Elle est bien. Là, t'es beau gosse, là. Tu veux plus sortir de la Cantamine? Pourquoi? T'inquiète pas, tu sortiras plus de la Cantamine. Mais c'est incroyable, ils me donnent des menaces comme ça. T'inquiète pas, tu vas sortir de la Cantamine. J'espère qu'il y a la fève dans celle-là. 5 étoiles ou quoi? Attendez! Incroyable, mais je tenais à m'excuser, mon chien a fait pipi partout. T'inquiète pas, tu sortiras plus de la cantine. Bonjour, est-ce que vous aurez vu mon chien? Non, on l'a pas vu. Si vous l'avez vu, dites-le nous. Est-ce que vous l'avez vu? Oh, c'est bon! C'est bon! Va niquer ta mère là. C'est bon, t'es là que tu t'énerves. T'es là que t'as rien. Oh, mais là, c'est la pub la plus rentable. Écoute, je vais t'expliquer un truc, JP. Et là, il y a zéro van. Va niquer tes grands-mères. Quand quelqu'un fait une pub. Pour une boulangerie ou un snack ou quoi, ça rapporte pas tellement de visibilité en vrai. Les gens ils regardent la story, ils s'en foutent. Mais là mec, pour une frangipane, ils ont gagné plus de 200 avis, dont 190 avec 5 étoiles. Mais c'est la pub la plus rentable de France. Oui, oui. Tu iras plus au Intermarché, tu iras plus au Champ, t'inquiète pas. Mais c'est un mal. Mais pour qui il se prend? Mais pour qui il se prend? Même Al Capone il faisait pas des menaces comme ça, tu te prends pour qui? Ah, j'ai trouvé ce paquet dépressif. Oh, ils ont mis des photos. Je me fais chier par Attendez. Non. Attends, pourquoi j'ai pas le chat de tout à l'heure? Non, c'est trop une dinguerie. Je sais pas, là ils sont trop forts. Comment vous faites pour faire ça? Ah, ça me fait pas rire. Non, je te jure, on dirait un mec des cartels. Bon, les gars, ça me fait pas rire. Ça, c'est vraiment petit, les gars. C'est vraiment petit. Ouais, la menace Gwen n'ira plus à Auchan, elle est incroyable. Non, là, vraiment, je suis outré. Il a osé me dire, tu mettras plus un pied à Auchan. Tu mettras plus un pied à Intermarché. Ou alors, mettez que des photos d'IP. Au moins, il n'y a que lui. Ah, c'est bon. J'ai pas envie d'être cramé dans tous les commerces à proximité. Cramé à tout. Pourquoi tu dis Intermarché? C'est lui qui dit les commerces depuis tout à l'heure. Mais ouais, c'est toi, pourquoi tu parles, frère? Mais t'es un malade. Oh, les gars, il n'y a pas un mec qui peut faire une affiche. Il met la tête de JP. Il écrit en dessous, attention, mec dangereux, si vous le croisez, appelez directement la police. Il me l'envoie en photo, je vais chez moi, j'en imprime 30 et j'en passe partout. Et j'en passe partout autour là. À Intermarché, dans la boulangerie. Gaulement, va. Vas-y, fils de p.
Eh, je vous jure, je le fais. Et je rajoute mon numéro, là, celui que je vous ai donné. Ah, ah, je vous jure, j'aimerais trop être une petite mouche pour être là demain quand il va aller acheter son café ou son, sa baguette de pain à la boulangerie. Je vais mettre une perruque, des lunettes, et de loin, avec un truc comme ça, je vais aller, je vais regarder. Non, mais les gars, un truc sérieux. Vraiment, un truc sérieux. Attention, mec dangereux, etc. T'inquiète pas, quand tu vas aller chez Trad, pas. Chez Trad ? Mais pourquoi ? T'inquiète pas. Il a pas d'avis. C'est un malade. Il a pas d'avis, Trad. Il a pas d'amis, mais même t'as un ami d'enfance, il s'en bat les couilles. Arrêtez, c'est bon, là vous allez trop loin. Oh là là, vous allez trop loin. Là, c'est... Déjà, toi, excuse-toi après la boulangerie. Ah, je vous jure. Alors, vas-y, excuse-toi, frère. T'as pas si je perds quand t'as rond, à mon avis, elle était dans le fou. Bah, moi, mais t'es juste. Le tabac à côté. Il y a le tabac à côté. Non. Oh, on va plus pouvoir mettre un pied dehors. Non. Ah, je crois qu'il faut déménager le local. Excuse-toi, excuse-toi. Eh, oh, excuse-toi! De quoi? Mais oh, auprès de la boulangerie! C'est toi, c'est pas moi! Mais j'ai rien fait! C'est toi? On a fait quoi? Nous? Mais c'est ta tête qui est partout! Oh! C'est, ça, ouais. C'est qui a fait la pub pour une frangipane? C'est toi, espèce de golemon! Nous, on a rien demandé! Moi, me connais même t'inquiète pas! Pas le moment. T'inquiète pas! Moi, me connais même pas! T'inquiète pas! Mais quoi, je me. Mais je... Est-ce que j'ai l'air inquiet? Regarde-moi! J'ai l'air inquiet! Par contre, c'est des menaces là et. Moi, je suis jamais allé à la boulangerie, elle me connaît pas, elle sait pas qui ça je suis. Ça risque pas. Très bien. Toi, tu vas aller, tu vas arriver comme ça. Elle te connaît très bien. Donc, voilà. Elle te connaît très bien la boulangerie en plus. Mais bien sûr. Laquelle, la moche, celle que t'as dit qu'elle était moche? T'inquiète pas. Bah, je vais dire demain. J'irai par contre, je suis un peu déçu, j'ai pas vu de commentaires comme quoi il disait qu'elle était moche et tout. Oh, les avis, les récents, les récents. Les couilles, moi je vais pas de dedans, c'est mal. Oh là, vous êtes des bâtards. Oh là, ah, vous êtes, ah, vous êtes une tumeur. Non, c'est la vie de ma mère, vous êtes une tumeur. Vous êtes. Non, vous êtes. C'est bon, j'ai un nom pour la commu. Les métastases, la vie de ma mère. Vous êtes des. Mais non, les mecs, non. Tout. En fait, vous vous propagez partout. Non, c'est bon, vous êtes les métastases. À partir d'aujourd'hui, cette commu. T'appelles les métastases. Je suis désolé. Vous êtes trop dangereux. Vous êtes trop dangereux, les gars. Le pauvre Pascal qui a fait un don il y a 10 heures, beaucoup de produits à prix intéressant. Et là, dans ce coup, t'as ça. Avec Moufias. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a 60 avis sur Google quand même. Par contre, les gars, dites-moi que vous avez pas mis le tabac de la pointe. Mais alors là, il va péter un boulon par contre. Non, non, les gars, je vous explique. Là, il va péter un boulon. Le tabac, il prend toutes ces clopes là-bas. Là, vous lui coupez les vivres. Non, les gars, il... Là, s'il peut plus aller au tabac, c'est fini. Les gars, il prend toutes ces clopes là-bas. Mais ils sont partout. Vous êtes partout. Non. Non, non, JP. Ah, vous êtes des fous. Non, t'es fiché dans le secteur, c'est mort, mec. Ah, viens, on commence à chercher un nouveau local. La vérité, JP. Et on donne pas l'adresse. La vérité, JP, FF. Retourne d'où tu viens. Oh. Oh, ça me tue. On te suivra de partout. Allez les gars, là où il ira, que ça soit en messe ou pas, que ouais, des avis mort. Avec sa tête. C'est un mec dangereux. T'es fou. T'as vu, je t'ai dit. T'es plus. T'es banni de partout. C'est fini. Même du pont de Ligonnès, il n'y avait pas autant de. Les gars, et s'il change de pays, ce qui m'étonnerait. S'il change de pays, ce qui m'étonnerait, on ira même dans ce pays mettre des avis. Oh, laisse le gosse. Dans la langue du pays. Il parle, fils de. Qu'est-ce qu'un mec mort arrive à parler déjà? Ta mère, toi. Comment tu fais pour parler? Comment tu fais pour respirer? Oh putain. C'est tu rigoles, hein? C'est pas sur ta gueule, fils de. Jamais sur Google, te demande de bâtard. Jamais sur Google. T'as mal au clavier. T'as pas mon clavier, gros. T'as pas le clavier. C'est fait mal. Rouek fait tous les jours caca devant le tabac. J'ai marché. Ah, c'est bien, maniquer ta mère, la rate. Là, c'est incroyable. Allez, Lucky Bomor. Bonjour. Oh, je t'explique demain. Tu peux. En plus, c'est en côte à côte. Tu peux pas mettre les pieds dans la rue. Ouais, c'est bien. Je t'explique demain. Tu pourras pas marcher dans cette rue. Regarde, tout le monde va vouloir te faire le. Mais tu vois. Les gars, j'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur que ça aille trop loin. Non, non, attends, attends. Non, ouais, c'est quoi? Ça là-bas. Dis-moi. Mais allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Non, pas ça, pas ça. Non, il est en train de porter plainte, les gars, il est en pas train ça, de porter plainte. Pas ça, il est sur le site de la gendarmerie. Mais tu vas faire quoi? C'est pas ça que tu vas porter plainte contre des avis Google? En plus, c'est ta faute, ça va tout trop tomber sur le dos. Attention, faites attention, Moussa.
Putain, pire cauchemar, ouais. Les gars, non, non. Je suis en train de travailler sur l'affiche. L'association des dentistes de Nice vont porter plainte contre WEC, incitation aux dents pourries. Ce mec est crazy. Mais le pire, c'est que je pense que tous les commerces, ils vont s'en parler entre eux. Ouais, les patrons. Ouais, ils vont dire. Ils vont ouais, moi, tu sais ce qu'ils oh, lui, il faut plus qu'il vienne, ils vont moi, dire. Moi, je serais genre caissier au tabac, je le vois arriver, je serais comme ça. Genre. Oui, monsieur, vous voulez quoi? Elle a un petit bouton là, le petit bouton. Abusé. J'entends le petit bouton et je le fais patienter à Max. Je vais mettre les dents, je vais mettre les dents. Mais les gars, là, tous les commerces. T'as pas compris? Tous les commerçants, ils vont se réunir et un matin, ils vont t'attendre, ils vont te f. La tête d'homme. On l'a chopé! Ça va la gendarmerie. Ça va la gendarmerie. Ça va remonter, mais la tête d'homme, ça va remonter à la mairie et tout. On va avoir de gros problèmes. Ouais. Mais là, moi, regardez, c'est lui, il n'y a pas ma tête. Regarde, moi, je fais un petit message de prévention. Oui, moi, c'est tout lui. Moi, vraiment, je suis désolé. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. C'est lui qui a décidé de faire une pub pour une frangipane. Pour une frangipane. C'est lui qui a donné l'adresse de la boulangerie, le nom de la boulangerie. Et il a dit que la caissière était moche. Il a dit que la caissière était moche. Attends, on rigole pas, faut que ce soit sérieux. Attends. Oui, pardon. Et il a même parlé d'Intermarché et de Auchan. C'est lui. Oui. Quoi d'autre? Il m'a menacé. Voilà, moi j'ai strictement rien à voir là-dedans. Et carrément, ça me fait beaucoup de peine pour tous ces commerces. Moi j'aurais jamais osé. C'est pour ces commerces. Et vos photos. Et voilà. Regardez les habits sur la gendarmerie. Bon, moi j'arrête. Allez, bon live à vous. Ciao les gars, ciao ciao. Ah non, apparemment, ils peuvent pas attaquer les handicapés. On est safe. Je suis pas handicapé. Preuve ou fake? J'arrête à rouer. Preuve ou fake? Non, il est. Il va pas attaquer, il est. Preuve ah fake. Oui? Mais t'es. Ben oui, tu joues cette carte. C'est bon! Mais ah, ça va, tu risques rien. Joue le wokisme. Mais joue le wokisme. T'inquiète pas, la gendarmerie viendra me voir, je donnerai les noms. Balance. De qui? Balance. T'inquiète pas. De qui? Balance. Yes, balance, on a rien balance. C'est une agence d'outils. Et en plus, il donne des blagues. J'ai rien à voir dedans. Poucave, balance. Carrément, regardez, je vais même faire un zoom. Il est fier de lui. Il est fier de lui. Aïe, 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 arrête. Aïe, mon oreille. Quoi? Fier de quoi? T'as les doigts sales. T'as les doigts sales. Voilà, un peu de caca dans mon oreille. T'es une snitch en fait. Non, 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 les gars, s'il vous plaît, un peu de. C'est une dinguerie de faire ce que vous avez fait. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Eh zut, j'ai une explication pour JP qui s'endort en fumant, il prend des somnifères, ce qui supprime le stress. Bonjour. Ma mère fait pareil quand elle prend du Xanax. C'est sûr et certain premier degré. Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. En fait, JP dort avec ses lunettes et ses chaussures car dans sa jeunesse il s'est fait traumatiser pendant qu'il dormait. Du coup, il a développé une peur, c'est sûr à 100%. Plein de gens sont comme ça dû à ça. JP! Mais t'es. Je veux pas les mots là! Mais mettez pas la photo de ma mère, elle va faire les courses Intermarché pour des fils de. Inactif et inutile. Waouh, on va perdre le local. Avec Angelaba. Le pire, c'est qu'il a Angelaba. Mange le caca de toute la ville. Ça me fume. Oh, ça me fume. Mais les gars, on va perdre le local, les gars, on va perdre le local arrivé. Ouais, il pique dans tous les magasins de la ville. Ouais, il me tire à sentir les fesses, les endroits. T'inquiète pas, Sandy. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Prends-moi-en, s'il te plaît. Ouais, moi aussi, s'il te plaît. Je veux une perruque et des lunettes. S'il te plaît, perruque et des lunettes pour moi. Non, non. Jean-Mier, faut que je fou. Oh non. Mais non. Ah, tu me donnes la tirée. Allez, je suis dans la merde, allez, hop, tout en bas. Allez, hop. Mais pourquoi t'as mis cette photo? Voilà. C'est qui, fils de. Voilà, vous êtes les métastases. Les métastases ont encore frappé. Allez. Oh, non. Les métastases ont encore frappé. Ville de drape. Non, arrête, mon père. Mon père il a dû en mer, fils de. Arrête, fais pas ça, mais fais. Dis pas ça, ils vont dire ouais, le fils de l'adjoint, t'as dit. Non. Non, les gars. Non, non, là, attends, je fais pas faim. Attends, t'es un malade ou quoi? Oh, je pleure de rire. Dernier live.
Ah les gars, voilà, vous êtes... Non, 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 non. Ah, vous êtes vraiment un cancer, je suis désolé. Non, 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 les gars. Oh, non, 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 non. Comment c'est installé Pôle emploi? Moi, vite, moi, je veux une perruque. Je veux des cheveux. Tiens, donne-moi le sombrero. Donne-moi le sombrero, je le prends. Regarde la photo. C'est trop tard. C'est plus moi. Ça n'a aucun sens. Mérite de drap, ils ont mis quoi? Non. Arrêtez, les frères. Arrêtez, c'est bon. Ça va beaucoup trop loin. Non, vous êtes trop fous. Mon père. Pomme de fils de... Par contre, y'a un mec qui râle. Apparemment, le jardin pour enfants à drap, il est jamais propre. Moi, j'amène ma fille, souvent, il est propre. Ouais. Oh putain, tu regardes le live ou pas? Est-ce que t'es sur le live? Non. Y'a un... Fais attention, là, t'es en live, tout le monde t'entend. Y'a un gros problème. Ils sont allés... Il se peut... On a perdu le contrôle de la commune. Je pense... Il se peut que plus de 10 000 personnes sont allées mettre des commentaires... des avis. Salut Google, Pig. Sur la ville de Drap. Peppa Pig. Et sur la mairie de Drap. La mairie de Comte. Et il se peut... La mairie de Comte. Qu'il y ait des photos de JP avec écrit « Cet homme a mangé mon caca, il faut le virer tout de suite. » Et... Est-ce que... Y a moins... Ça te dérangerait, toi, d'aller vivre, par exemple, dans le Var? Oh. Attends. Attends. Et... Oh, ouais. Putain. C'est une dingue, c'est une dingue. Pourquoi JP a mangé le caca? Non, ça, mais fais pas genre, tu sais pas qu'il mange de la merde. Attends. Arrête. Il menace. Oh, c'est pas pire. Non, je vais les claquer. Hein. Oh, y'en a, ils ont mis des photos de toi avec ta grosse calvitie. Mais écoute, on a tous quelque chose de... Oh, merde quoi, ça? Non, merci pour l'efficacité de la team Rock Moufias, accompagné de ses tuteurs Owen et Gwen, fils de l'adjoint en mer. Oh, t'es mort. T'es dans la merde. Oh là, je déménage. Pourquoi? Eh, non, t'es quoi? Y'a quoi? Et alors, y'a quoi? Ils disent que j'ai fait des dingueries et que je suis le fils de l'adjoint en mer. Appelle le maire, dis-lui qu'il appuie sur le bouton rouge qui est sous son bureau. Dis-lui qu'il bloque les commandes, les avis et les commentaires. Ah non, c'est pour commander des escortes. Mec, qui... C'est l'arme nucléaire là, Drap, on a un missile, non? Non. Hein? Les gars, c'est bon, j'ai l'affiche. Je suis là. De la police. Attendez, cache ta tête. J'ai l'affiche de la police, je vais vous l'envoyer, je vais la mettre sur Discord. Non, cet individu. Cet individu est activement recherché pour violence aggravée et vol dans la boulangerie de Blozask, commis le 13 janvier 2024. Arrête, ça fait trop. Mets-la dans le canal. Après, attends, pour sa défense, il a raison, on peut pas laisser un mec comme ça traîner dans les rues. Faites ça. Sans muselière. Un chapeau, il a écrit. Ouais, j'ai appelé mon père de chapeau. Papa! Oui. Ça va? Et toi? Ça va? T'es un peu occupé? Je suis content de t'entendre, nom de Dieu. Tu m'appelles jamais. Ça va? Oh! Je l'ai appelé avant-hier. T'es vraiment pas bien, hein? Je l'ai appelé avant-hier, mais il a l'Alzheimer. Salut, tonton, ça va? Salut, les enfants, merci. Ça va, papa? Ça va. Oui, tout va bien. Eh, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu peux m'imprimer 50 exemplaires d'une affiche que je vais t'envoyer par mail. N'a aucun problème. Ah, merci. Je t'aime, papa. Merci, tonton. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Je vais aller chercher après. Merci, tonton. Et je sais que tu vas aller voir. C'est parce que c'est un mec qui est recherché en ce moment. Et il faut coller les affiches un peu partout en ville. C'est pour le bien. C'est super comme dit qui va faire votre liste. Ne t'inquiétez pas. Tu m'as dit. Il a des tonnes de trucs. Et une tonne de conneries, papa. Merci, tonton. Alors, je le fais pas. Pourquoi? Non, c'est pour préserver la sécurité. Pourquoi? Si lui il est déjà dans la merde et toi t'es venu en rajouter. Ben non, c'est pas une balance, c'est pas une balance. C'est le réel chapeau, je crois. Ok. Je ferai pas ça. Ok, bah mon père est pas une balance. Merci, tonton. Bah je viendrai le faire tout seul. Bonne soirée à vous. Bye, ciao. Allez, bisous.
Je t'aime. C'est génial. Il a dit c'est génial. Putain, mon père, c'est pas une balance. Comme ça, bah, c'est sûr, il était en train de jouer à Dynasty Warrior et tout. Tu l'as game. Oui, il était en train de jouer. Mais il peut mettre pause. Ah oui, c'est vrai. Attends, on remet un peu les dons. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, d'accord, rien à foutre. Mais toi, tu parles une autre langue déjà. Demain, c'est la fête à Nina le 14 janvier. Faut juste que tu trouves le pays qui correspond à ta langue. JP! Quoi? À mon père. Je veux pas les mots là! Ouais, d'accord, rien à foutre. Le dernier qui met un coco à JP est une SOP. Ah, il a fait mal. Ouais, il a fait mal. Là, il a. Arrête, il a pas fait mal. C'est très bien qu'il a pas fait mal. Tu veux que je m'écarte? Mais lâche ma main, frère. Fais-moi lui ma coco. Est-ce que l'équipe dit qu'on va ce soir une petite douche pour dessécher les insectes à côté? Gwen, t'es le meilleur. Gwen va dans son panier un peu. Big up, Castelli et Thiago. Chippé! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, d'accord, rien à foutre. Allez, mets pause. Mets pause. Mets pause. Mais... Attends, la mairie de Wapi. Ça roule, moi, là-bas. Je bats comme tu veux. Les gars, est-ce que... La mairie de Wapi. Mairie de Wapi. C'est bon, ils sont 12 là-bas. Ils mangent tous les geeks de la ville. C'est bien. Continuez. Ah, les gars. Quand c'est des mairies, ça va très vite. Hein, ça va aller très les gars, vous allez grave loin. Je trouve. Attends, donne-moi ça. Ils ont fait quoi? Les gars, wow. C'est love ou live? Parce que j'aimerais bien que live, ce soit love. Live. Les gars, c'est un bar gay à Nice. Si vous voulez mettre des avis, recommandez-le. Si vous voulez mettre des avis. J'y vais jamais. T'inquiète, maintenant je sais que c'est un bar gay là-haut, sur ta tête maintenant. Ben, je vais y aller tous les jours. Si vous voulez mettre sa tête en masse. T'inquiète pas. Non, mais. T'inquiète pas, t'as fait avec ton gros chien. Ah, je connais 5 étoiles par contre. Ah, non, les gars. Ah, vous êtes des animaux. Mon rêve d'avoir une photo de JP juste à côté de lui. T'inquiète, tu vois ta photo juste à côté de toi. Mais c'est JP? Ma parole, il y a une photo à JP. Mais c'est JP dans la boîte. Oui, bien sûr. Mais espèce de petit cachotier. Mais c'est JP. Et bah alors. Ben voilà, il était là pendant les vacances. Mais c'est JP. Il était là pendant alors les vacances. Alors comme ça t'es allé au 6. Et bah alors. Alors comme ça on est allé au 6. Le mec du 6. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon père? Mon père, il m'a dit au lieu qu'on le cherche, venez on le cherche pour le nourrir parce qu'il va mourir de faim. Gentil même. Ah, parce que la photo où il est torse nu comme ça. Il a mis du temps pour écrire ce message. Je le voyais trop sur son téléphone comme ça. Très bonne vanne. Non les gars, c'est pas cool. Je me sens là. Mais pourquoi t'as ça? Tu vas mettre celle-là, laquelle? Regardez, il va mettre laquelle. C'est bon. Là, c'est une photo de yo-yo. C'est qui rire, mon homme? Non! Oh! Les gars, ça va trop loin! Soit l'autre là, il est en live, soit je vais. Non, tiens, prends le dealer. Non. Soit vous enlevez la photo, que je vais voir, soit je vous. Les gars, c'est un truc gay, un bar gay, et vous avez mis son père. Non, vas-y, dealer, frère, vas-y. Non. Celui qui a fait ça, il enlève directement la photo. Là, non. Mais j'ai rien fait, moi! Pourquoi je suis sur un bar gay? J'ai rien fait! Je vous ai rien fait, moi! Je vous dirai pourquoi moi? Ah, j'en veux. Pourquoi moi? Vraiment merci les gars, vous me réguerrez chaque soir, force à vous tous sauf à l'autre côté rep consanguin. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre! Eh sut les gars, vous êtes des bons. Le live est cool, juste JP sort du cadre et c'est parfait. La dernière fois que j'ai fait un bras de fer, quoi? Fini à l'hôpital. Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre! Les tendons. Le dernier qui met un coco à JP est obligé de passer la nuit. Attends, c'est toi, je veux pas. La tête de Vandana. Ah, c'est JP à chaque fois. Non, je te mets tout doucement, regarde. Laisse-moi. Je veux pas les mots. Moi, j'ai mis tout doucement. Bonjour, je m'appelle Karim, je suis gay, j'habite à Anima, je viens de Nice, j'aime les streamers et ma sœur la qui se nomme Sarah Abida. Oh, les gars. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah, j'ai rien à foutre. BSR, les amis, j'espère que vous l'êtes bien sûr, sauf JP. Koudou. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci Koudou. Koudou. Les terroriser. Les gars,
Par contre, là, non, là, non. Là, non, vous dépassez les limites. Personnellement, je suis allé sur les avis du bar gay. Ça, c'est pas très grave. Ça non plus. Par contre, mettre une photo de tous mes frères et de mon père, l'adjoint au maire de Drape et ses fils aiment énormément cet endroit. Vous êtes de sacrés gros fils. D'accord? Tu faisais ta m'arrivée en moto, m'a donné envie de cabrer. Là, ils sont trop forts, y'a trop d'inspi. Y'a. Oh. Toujours vous allez trop loin, en plus il a 12 gemmes. Oh, c'est la ville le plus likée. La ville le plus likée, c'est la photo de ton père. Fais quelque chose, porte plainte. À ce moment. À ce moment, porte plainte. C'est ton heure. Les mecs, il y a ma mère Pamela qui est là. Elle veut faire son face rival à JP en live. Non, je te crois pas. Ouh là 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 là. Son face reveal. Face reveal. Ouais. Parce que face rival. Ouais, excuse-moi, bonne. Je suis pas anglais. Moi, je suis français. Jordan Bardella. Voilà. Alors, moi, ça se dit face real. Ok, bande de petits. Moi, les accents et tout ici, j'aime pas ça. Ok? Ici on parle français. Face réal. Il y en a un qui a un problème. Voilà. Face réduul. JP, j'ai appris que t'étais gay. Oh, fallait pas l'avouer. Je vais demander. JP. Quoi? Vous êtes content, vous êtes content. Ouais, bah j'ai rien à foutre. S'il te plaît mon Naruto, je comprends pas Discord, je sais pas envoyer dessus mon freestyle, j'ai mis mon cœur dedans, s'il te plaît m'oublie pas Wack freestyle. Ok, je vais voir. JP. Quoi? Donc tu as envoyé où? Ouais, bah j'ai rien à foutre. Ouais, salut JP, tu pourrais faire une dédicace à Léo, Sacha et Maeva, s'il te plaît. Bah Léo, Sacha, Maeva, les gars. Bien ta mère, gros fils de p***. JP. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais bah t'as rien à foutre. Lâche pas le stream. Et maintenant on va aller voir la mère de Taizy. Allez. Ma mère veut se montrer, Pamela est là, elle veut le faire son rôle. Allez vas-y. Allez vas-y. On le face fait. Reveal. On le fait. Même lui il sait pas écrire. Ouais. Le face reveal. Le face reveal. Il fait le face reveal. Allô. En vrai t'as un flow, j'ai avec la voix de Batman, j'ai kiffé. Salut Taizy, ça va ou quoi? Tu m'entends? C'est un bien sûr qu'on t'entend. T'entends. Vous m'en vendez, nickel. Est-ce que tu peux mettre la cam sur le live? Attends. Oh, mais tu vas vraiment montrer? Ok, vas-y, vas-y, attends. La tête devant mon écho. Non, c'est... Dis-moi dès que tu peux. Hop, c'est bon. Ouais. Merde. Fais, attends, enlève les photos, on voit le numéro de JP sinon. Non, y'a rien. T'entends? Ouais. Fais gaffe, y'avait le numéro de JP. Hein. Non, mais où? Ben, c'est dans la conve. Vas-y, c'est pas grave. Attends. Du coup déjà. À moi. Parce qu'il y a pas mal d'arrivées. Attends deux secondes frérot. Oh mon gosse, mon gosse. Attends deux secondes. Moi j'ai jamais. Attends deux secondes. Attends. Voilà, je suis désolé. Voilà mon frère, je suis désolé. Il dormait. Il a pas fui. Il est en train de dormir. Voilà mon frère. Ça va? Oh j'y vais. Voilà mon frère, je suis désolé. Je vais montrer son numéro. Attends, remets full cam. Ouais. Remets full cam. Attends. Remontre la conf, montre la conf. C'est vrai qu'il y avait le numéro. Y'a rien. Oh, non, y'a pas. Y'a rien du tout. Il est là. Non, il est là. Ah, ça va, on le voit pas. Ah non, en plus, c'était même pas le numéro de JP, c'était le numéro de la mère de Taizy. Fais clic droit, supprime. Attends, je le supprime. Oh voilà. Taizy, supprime-le. Tu sais que c'est le numéro. Non, c'est à toi de le supprimer, Taizy. Supprime-le, comme ça au moins. C'est le numéro de ta mère. Okay, bon. Bref, salut Taizy, j'ai jamais remarqué. Attends, je tiens à signaler un truc. Maintenant que je le vois bien habillé et tout, toujours pas la photo de Mister Viewer. Si, elle est là. Si, regarde, je l'ai reçue, je dois la prendre. Il y a Koudou, il y a la photo de Koudou. Wouah! Quoi, j'ai pas vu? Il y a un mec qui est passé à Wolf. Quoi? Il y a un mec qui est passé à Wolf derrière. Quoi, t'as pas vu? Mais quoi? Quoi? T'as fait quoi, Taizy? Le mec qui est passé à Wall derrière, enlève le partage d'écran. Mais Taizy, elle est où ta mère? Mais y'a personne, mais elle arrive. Vas-y, elle est où? Voilà. Voilà, tu veux pas le voir repasser là? Mais non. Maman. Vas-y, c'est bon. Non, pour de vrai, je vais pas mettre ça. Mais ça. D'abord, je vais pas montrer tout son temps, je vais montrer la silhouette, d'accord?
Vas-y, vas-y. Après, JP, tu vas dire ce que t'en penses. Attends, pour de vous. Je peux le mettre ou pas? Ouais. Vas-y, on te fait confiance. Attends, mais fais pas. Oh, frérot, il y a des trucs bannissables là quand même. Fais pas de dinguerie. Non, t'inquiète. Vas-y. Attends. Mec, tout nu, mais attends, c'est pas une blague. Voilà, voilà, tout nu. À poil. Montrer son cul. Bon, là, j'ai pas vu, je regarde sa tête de cul. Bah, il y avait un cul, quoi. Il y avait un cul. Oui, il y a déjà une. Ah non, c'est bien. Ah, pas mal. Le cul, on l'a déjà montré quand on a les impacts des bleus et tout. C'est bon. Oh, elle est bonne ta mère. Hein. Du coup, c'est pas... Là, on a Pamela, on a son cul. Hein? Wow, toi, vous êtes du Nord apparemment. Tu te calmes. Donc là, on attends, a Pamela. Attends, s'il te plaît, Tézi, ne me dis pas que depuis le début, il parle avec ton pote. J'ai pas parlé. Attends. Owen. Quoi? Je te jure, au nom de Dieu, que depuis le début, il parle vraiment avec ma mère. Et il parle vraiment avec une fille. Okay. Okay. Mais waouh! Wow. Je parle. Parler à quoi? Du coup, est-ce que ça te plaît? Déjà là, ce que tu vois. Est-ce que ça te plaît, JP? C'est pas sa mère. C'est sa mère ça, et sa mère. Regarde, ils sont de Metz, ils habitent. T'habites où? Ils sont du Nord. Ah, mais là, tu vois pas là? Il habite à Metz. Regarde, ils sont du Nord. Regarde le tour du dos, regarde le tour du dos. Va, twerk! Twerk! Voilà! Tu vois maintenant? Ça me prend dedans, ça. JP, tu kiffes, c'est ça la question. Hein, est-ce que tu kiffes le kiff? Ouais, tu frappes fort. Ouais, t'es violent avec ta mère, wesh. Non, mais c'est un peu chier en ce moment. Tu peux chier. Bon, est-ce qu'il te plaît son cul? Allez, JP, elle réagit quand même, elle est venue pour toi. Pas ta mère. C'est qui alors? Mais... Bah, si, c'est ma mère. Bon. Donc, si c'est une copine, il te plaît le cul ou pas? J'ai une surprise pour toi. Y'a pas que ma mère, y'a pas que Pamela. Il y a aussi ta mère, il y a ta mère. Waouh. Joël, non. Montre-toi. Voilà. Elle a une révélation à te faire. Moi je sais quoi c'est. C'est des gars. Joël a accroché. Je suis en trance. Joël, assieds-toi, on ne voit pas. On ne voit pas. Non mais parle-là caméra, assieds-toi. Couchez. Couché! Non, tu te lèves! Choc barre de bézène! Bon, Pamela, viens! Pamela est aussi une transe en fait depuis le début! Monte ta tête, Pamela! Non! Voilà, c'est Pamela! Non, attends, il y a vraiment un qui a montré son cul ou c'était une blague? Oui, c'est lui! C'est lui, là, regarde! Non, c'est celui-là, là, regarde! C'est celui-là. Ah, attends! Qu'est-ce que tu fais, mais oh! Attends, mais il y a deux risques. Et voilà. Sorry, Kik. Sorry, Kik. Attends, j'appelle le mec de Kik. Mais je crois que c'est acceptable ça. We have lost the control. Attends. Ouais, mais on avait déjà montré le cul pour les montrer les impacts et tout quand on prenait des. Non, attends, je l'appelle. Les hématomes et tout. Non, mais je crois que c'est. Y a rien. Je lui demande quand même, on sait jamais. Je lui demande, on sait jamais. C'est pas un cul d'une meuf, genre, pour amener des viewers. Mais baisse le sang, quand même. Il a dit, je croyais qu'on pouvait tout faire sur Kik. Et non, mec. Qu'est-ce que tu viens de dire, quoi? Quoi? Je croyais qu'il montrait le cul d'une meuf pour amener des viewers ou quoi? Enfin, j'ai pas le droit. J'ai dit une dinguerie, je me suis pas rendu compte. Écoute, monsieur de Kik. Non, attends, je vais lui donner son vrai prénom. Écoute, Faisal, on a eu un petit problème. Il y a un cul qui est passé sur le live, Faisal. Il se pourrait qu'il y ait un viewer qui est venu montrer son cul en live. Il se pourrait. Mais il a pas montré son trou de balle, hein. Il a montré que son cul, genre. Ouais, c'était pas une meuf. Là, je suis en live, il a juste montré son cul. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Et voilà. C'est bon. Il va répondre adieu, les mecs. Il m'a dit SMS, s'il te plaît. Je lui ai envoyé le VOC, on verra bien. Moi, je croyais que vous me trollez au début. JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Oh, mais non, ouais, fallait me le dire de suite! Comment je peux te dire plus clairement? Il y a un mec qui a montré son cul. Il y a un mec qui a montré son cul. Franchement, mais attends. JP! Quoi? Si la tête à JP, elle passe tous les soirs et un cul, il passe pas. Franchement, je comprends pas la politique de JP. Parle un peu, sinon je vais t'encastrer dans un mur. Avec ton corps qui ressemble à celui de Ivern dans League of Legends. Oui, le mec de qui? Je vais t'encastrer à cette espèce de SEP.
Un euro les dons, merci DLER à contre-courant de l'inflation des cakes. Je pourrais en acheter plus, merci Owen notre roi. Oui, j'imagine cette démarche généreuse ne vient pas de ce trou du cul de roi. La liberté d'expression ici, mais c'est que pour ce soir. Faut que j'aille la descente, je suis dans le jardin des îles, Emily veut me robo, mais c'est embêtant. Là je suis trop indécis, j'ai le nuage en jambon.